nettoyer tous les débris, nouveau site de forage construit, pipeline opérationnel, succès de la recherche du pétrole, forage en cours, bunker abandonné visité, morceau d'avion retrouvé, vous avez retrouvé les deux véhicules blindés, usine de traitement de minerais construit, extraction d'or commencée, et papeterie construite, et la livraison ferroviaire est rétablie. La liaison ferroviaire est rétablie. C'est une émission de chaque carte en fait, principale. Fermé. J'ai quitté le jeu du coup. Ah, dommage hein. Parce que bonjour YouTube. Pourquoi? Ah bon? Ah oui, en fait. Non, parce qu'il est 19h, hein. Moi j'ai pas tardé à aller manger, etc. Pas de problème hein. Moi, tout ce que je vois, c'est que j'ai un camion à aller chercher. Ah, et que je vous en mettre un chrono. Ça fera un épisode un peu plus court sinon, on s'en fout. Ah bon? Un épisode de 30 minutes? Après tout, il y en avait un d'une heure et demie juste avant. C'est équilibre. C'est équilibre. Ouais, je vois un peu. Soit une personne qui regarde, on s'en fout. Là, au pire, il y a Arthur qui regarde. Bonjour Arthur. Au pire, ça m'étonnerait. C'est compliqué de rouler dans la boue. Hein. Roule un peu trop bien dans la boue finalement. La boue gelée, ça roule un peu trop bien. Ah, bien sûr, avec l'intro de 50 ans que tu ne peux pas skipper. Ah non, tu peux pas la skip la machine. Je vais attendre cette remorque de réparation. Ça, c'est le côté positif, monsieur. Okay. Et pas très loin, pas très dur à voir. Là, j'aurais presque plus de bête dans la vidéo d'avant, en fait. Oh, les hitbox hein, par contre hein, les hitbox hein, merci hein. J'accroche sur des trucs, j'accroche jamais en fait, dans le vide. T'as un jeu comme ça à coup de price landing, non, faut avoir des hitbox bien faites. Faut toujours avoir des hitbox bien faites, quel que soit le jeu. Ah, en général c'est mieux. Ouais, après t'as des jeux, tu peux avoir des hitbox vite faire, ou on s'en fout un peu, tu joues un peu sur la hitbox, c'est pas très gênant. Mais c'est sur des jeux comme ça où tu t'accroches sur des branches à moitié invisibles, où là tu tapes un rebord de trucs, même pas ça devrait arriver. Afficher la tâche. Ok. Oui, parce que je crois que je vais jamais pouvoir. Attends, je vais tenter un truc, mais je pense que mon attache de remorque ne suffira pas pour ça. On sait jamais, hein. Moi ça me tuerait de rire. Hein. Oula. Non. Et là. Oh. Ça, c'est vrai que j'ai un camion qui est un petit peu énervé. J'ai un camion extrêmement nerveux. C'est pas très friendly mon histoire là. Regarde moi le train en fait. Hein. Bouger un peu moi-même. C'est la remorque là un petit peu. Moi ici. Voilà. Allez. Tu sais qu'on a déjà un super lourd dans les véhicules apparemment. Ah bon? Ouais, le Fleet Star. Ou alors il y a que moi qui l'ai fait. Ah, c'est possible. Hein. Son moteur est un A+. Il est capable d'avoir un différentiel tout.
Ça passe. Ça passe. Ça passe tout seul. Par contre, là, ça risque. Est-ce que je peux couper là? Ouais, ça passe. Ah, désolé, monsieur, pour la clôture, hein, mais bon, il y avait une remorque à récupérer, comprenez. C'est vachement plus important que votre clôture, quoi. En même temps, oui. Quelle idée de foutre une clôture, qui tu veux qui vienne voler ton territoire, gros? Y'a personne, à part un renard, et encore, tandis que t'as une scierie, te voler des rondins de bois, je suis pas sûr. Manger un peu de sûr, je te dirais, c'est pas très grave. Hein. Et on a toujours une épave à récupérer aussi. Tu veux que j'aille la chercher? Bah, je sais pas ce que tu fais, donc, mais ouais, éventuellement, pourquoi pas. Si t'as un... Vu que t'as maintenant une super grue. Mais une épave à récupérer, comment ça? On a, tu sais, la fourniture abandonnée, près de la station service au nord. Ok, c'est quoi? Bah, je sais pas, c'est toi qui m'as dit, c'est un truc qui est vachement dans l'eau, tout ça, machin. Je crois que c'est une remorque de réparation, je sais pas quoi. C'est rien du tout, mec. Pas moi qui ai déjà 20 heures sur le jeu. Fourniture abandonnée. Ah oui, ok, ouais, ok, je vois. Ouais, en fait, tout ce qu'il faut, c'est un camion qui est haut. Pour être au-dessus de l'eau, en fait. Et j'ai envie d'essayer un véhicule, j'arrive avec. Tu vas kiffer. En fait, je suis pas occupé à ne rien faire, disons, mais j'étais plutôt occupé à faire des investissements. Ça, des investissements sur le long terme. Franchement, c'est des investissements où tu serais fier de moi. Acheter des peintures, des klaxons, des verres et des conneries. Des skins Fortnite. Bon, t'as fait ça, mec. Hein. C'est bonne life. C'est pas des skins Fortnite. Je joue pas à Fortnite, c'est de la merde. Ouais, je joue plus jeune. Non, c'est de la merde. Je joue pas à League of Legends. Non, toi t'es le genre de mec qui joue à SnowRunner. T'es un mec. Voilà. Moi je pense qu'un mec qui joue à SnowRunner, c'est un mec qui peut pas jouer à League of Legends et Fortnite. Faut avoir trop de patience. En vrai je pense que tu peux pas, tu vois. Une partie de SnowRunner, tu vas jouer à League of Legends, tu fais mais c'est de la merde. Ouais, c'est le mec qui a acheté le jeu, puis en fait il s'est aperçu que au secours fallait pas. S'il a lancé le jeu, il a fait le tuto, il a eu mal aux cheveux. C'est ça. Boum! Et bah voilà, bébé! Tu viens de rembourser tous les investissements que j'ai fait. Ça me fait plaisir, mec! Y'a quoi la station radio? Visiblement, j'ai ramassé une quête pour la station radio. La station radio. Si on avait su ça. Ouais, parce que je sais où aller, elle est à côté de la maison tout en haut. Ouais. Bah c'est la maison tout en haut. Non, c'est non, la non, maison non. Tout en haut en fait. C'est pas à côté de la maison tout en haut, c'est la maison tout en haut. Quelle maison tout en haut? Bah celle où t'es allé où il y avait rien. Rappelle? Bah, c'est celle-là, oh, en fait. Putain de bordel de merde. Voilà, donc bah je vais y aller. Bah attends, tu vas pas voir mon super camion. Ouais, bon écoute. Bosser mec hein. Non ici ça passait pas en avion, c'est par là. Oh, il me reste 8 litres hein. C'est la misère. Si tu viens je te passe un peu de mon plein. Je peux pas venir gros. J'ai 240 litres. Je suis en mission pour le seigneur. Mais pute. Mais il m'a refait le coup de la branche. Ah ouais. Il m'a refait le coup de la branche. Il n'a pas. Allez, donc jamais c'est récupéré. Erreurs. Bah je t'attends du coup. T'es où là? T'es où là? Sur la route. T'es où? Ok. Sur quelle route? La grande route. Et tu vas vers où avec ça là? Bah j'ai cherché la remorque.
Ouais, on va dire que ça m'arrange comme ça. C'est vraiment pour te faire plaisir. J'ai pas de boîte intégrale avec. C'est atroce. Mais j'ai un différentiel. Super, hein. On est super content. YouTube est content de l'apprendre. Terriblement. Ah bah ils arrivaient plus à dormir. Hein. Je prends pas compte tout ce qu'ils ont entendu cet épisode. Alors, si j'ai bien fait mon taf, il a été posté avec le après les autres. Mais... Ah oui, mais sauf que j'ai rien d'autre à poster que ça en ce moment. Tu oh, merde. Ah oui, parce que je comptais qu'on fasse un épisode d'autre chose aussi entre deux. Que tu fasses quoi? For the King, Pulsar. C'est quoi le truc qu'on a mis aussi là? Bah non, c'est tout. Pulsar, c'est tout. C'est que. L'autre, c'est un projet secret. Ouais, même si je pense qu'il y a personne qui va nous suivre dessus. Ouais, c'est tous des cons. Hein. Par contre, dans 3 ans, tu les verras tous dessus. Enfin, dans un an, tu les verras. Ah, regarde, c'est trop bien. Ouais, bah, nous, on a peut-être une jouée un mois en fait. Niquez-vous. Ouais, non, c'est faux, vous n'y avez jamais joué. Faites comme nous avec la mode. Maintenant, regardez la série sur YouTube, elle est sortie il y a un an. Ouais, bah, du coup, moi, je vais faire comme vous. Maintenant, je vais jouer à The Floor is Lava, quoi. Pas toucher le sol, parce que c'est bien de la lave. Quoi. Parce que c'est périmé depuis 3 ans, tu sais. Je vais t'attendre à la station essence. Hein. Mais il y a nouveau de la roche au milieu de la route, c'est pas possible ça. Ouais. Il n'y a pas un connard qui s'est dit quand même, on va quand même bouger un peu les caillasses quand même. On vous a apporté des tiges en métal, mais nique sa mère, on le fait pas quand même. C'est surtout, en fait, c'est là où tu sens que c'est des Américains et pas des Français. Personne s'est dit, bah je vais prendre la caillasse, je vais foutre ça sur le côté, ça va faire un remblai. Merci, au revoir. Ouais, l'endroit où t'as pas de. Là, l'endroit en plus, t'as pas de rambarde de sécurité, bah très bien. Je fais un petit remblai, on va dire. Technique de français, en fait. Je connais. Hop là, ça s'est très bien passé. Vas-y, klaxon d'un coup. Je sais plus c'est quoi le klaxon. Bon. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est celui-là. C'est bon, entendu? Non. Tu m'entends klaxonner? Non. Bah, c'est nul. Avant, on pouvait s'entendre trop loin klaxonner. Ouais, mais là, on est quand même vraiment loin, non? Non. Un peu quand même. Parce que n'oublie pas que dans Medrunner, elles avaient l'air très grandes les cartes, mais en vrai, on faisait pas tant de kilomètres que ça. Hein. Non, on passait surtout beaucoup de temps à galérer. Hein. Là, tu devrais m'entendre. Non. Quoi? Ah, là, je te vois. Ah, tu vois, on s'entend quand même de pas mal loin. Hein. Oui, il vient en camion. Hein. On fait un camion violet rose. C'est ça ton projet. Oui. Et qui va à fond la caisse sur la route. Allez, à plus. Je te regarde sortir le truc de l'eau là, c'est ça? Ou je vais faire un truc intéressant. Ah oui, bon, il faudrait que j'aille voir la station radio. Ouais. Pour ça, il faudrait que je descende. En fait, idéalement, il faudrait que je prenne la route. Hein. Effacer le dernier point. Chut. Idéalement. Je vais là. Merde. Je recule là, au milieu de la route. Hein. Ah ouais, tu vas, mais. Pour l'instant, je fais que des petits détours par Warlan. Ensuite, je vais là. Je sens que ce camion, c'était pas la bonne idée. Ensuite. Je vais mettre un. Ouais, là. Ok, d'accord. Bon, ouais, c'est marrant. C'est une idée de merde. C'est une idée de merde. Ça m'étonne pas.
forcément un camion rose, fallait que ça marche. Ah mais si, ça serpente là-dedans, ok d'accord. Ok, et ensuite, le top. Il y a quelques petites séries de virages, mais allons-y, c'est notre quête. On est dans Alaska, Amérique du Nord, on est d'accord. Tu veux que ce soit Alaska quoi? Ça ressemble à Alaska dans le Texas ou quoi? Alaska Mexique peut-être? Non mais on est d'accord qu'on a trouvé Alaska Sahara. Ouais, ça c'est bien par contre. Bonne carte, Alaska Sahara. Putain, mais arrête d'aller morte dans la neige comme ça, c'est fatigué. Surtout de la distance facile à couvrir. Ah oui, je pense que je suis sur la route pour essayer, ça ira pour l'instant. Ah, oh, je suis un connard, j'ai pas pensé à changer le snorkel. Tu vas boire la tasse? Bah, j'aurais dû penser à prendre le plus grand que j'avais en fait. Parce que là, il est. Ouais, je sais pas, je vais voir. J'arriverai peut-être à passer. Que je trouve con, mais tu vois, genre c'est dommage qu'il n'y en ait pas un qui puisse être dans le camion et l'autre qui puisse pas jouer la grue qui est dessus, tu vois. En même temps, ça serait un peu relou comme gameplay, on va pas se mentir. Là, il y a une quête ici, ah, je vais la prendre aussi. Il y en a qu'un seul qui a une grue, voilà, tu vois. Parce que pendant que tu fais la grue, tu peux. Oh là, le tuyau perdu, cette quête là, c'est de la merde. Regarde la taille du tuyau sur la carte. T'es où? C'est dans de la flotte. Ah oui. Ah oui. D'accord, ouais, c'est un tuyau de pipeline quoi. Hein. Ouais, d'accord. C'est un gros tuyau. Et c'est très chiant. Et j'ai essayé de le soulever avec la petite grue. C'était pas la peine, non. Mais non, moi je vais prendre mon petit 4x4, je vais le tirer avec, alors ça va bien se passer. Hein. C'est vrai que les... En vrai, ça va que les ressources se cassent, ça s'endommage pas en fait, avec la brutalité. Bah oui, parce que là tu laisserais ton châssis sur place. On te chasser sur place. Hein. Est-ce que tu penses qu'on peut crever les pneus arrière des camions? Ouais, c'est possible, non? Bah, moi j'ai bien réussi à crever des pneus. Par contre, sur le petit, hein, j'ai jamais réussi à faire un seul dégât aux pneus. Hein. Non, moi non plus. Ah, il a des pneus S-béton. J'adore le mec dans sa petite cabane qui donne une quête pour son énorme gros tuyau. Tu sais, le mec il habite vraiment dans un chalet, tu vois, y a rien. Ça a l'air d'être Jean-Michel Lambda. Qu'est-ce que vous possédez? Un gros tuyau. J'ai perdu mon gros tuyau, vous n'auriez pas vu mon gros tuyau? Mec, il est un peu gros quand même ton tuyau pour l'avoir perdu quand même. J'étais en cage, j'ai perdu. Je vais me retrouver.
Ah non, mais de toute façon, quand tu vois les quêtes, même l'autre qui a paumé son humeur encore une fois après une grosse soirée arrosée, tu fais... Mais en fait, ici, à part boire de l'alcool, vous faites quoi d'autre? Genre, vous buvez de l'alcool de bois, en fait, quand on a le dos tourné, c'est ça qui se passe. Avouez-le. C'est ça, en fait. J'ai peut-être un petit problème. Dans ta plantation? Pourquoi ça pousse pas? T'as qu'à planter du cannabis, ma gueule. J'ai essayé, c'est pas strict, les gars. Ouais, c'est bon, j'arrive. Avec le petit ruisseau qui coule à côté, tellement je prendrais jamais une route comme ça. Ils sont fous. Et le pire, c'est que ça existe, hein, des routes comme ça. Et les mecs, ils se disent sous, c'est une bonne idée. Quelle bande d'abrutis. Au secours. Un truc que je trouve toujours très stylé dans le jeu, c'est le fait que t'es toujours l'aspiration, c'est de l'air dans le moteur à l'avant quand tu joues un gros camion. Comment ça? C'est, genre quand t'es en camion et que t'accélères, ou du moins que t'essayes d'accélérer. Ah oh, putain, ça va pas me péter des couilles ici quand même. Ah si, allez, hop, récupérer, youpi. Ça parle plus de la tryhardance totale. Un peu, ouais. Je suis en train de monter vers la tour et il y a des petits pièges de glissouille. Bon, après, si je voulais pas me mettre en mode tryhard, je me mettrais juste en mode première, mais c'est tellement long. Vas-y, je tryhard un peu. Je t'avoue, je profite de la musique, du paysage. On est bien, hein. Détendu, zen, hein. Allez, monsieur, c'est fait. Ouh, fin du tryhardage. Vas-y, je vais chercher le gros toyau. T'y arriveras pas, mec. Ah si, mec, c'est obligé. Non, mec. Impossible, mec. Par contre, il y a les fournitures abandonnées. Oui, mais toi, c'est sur ça que t'es parti. Bah ouais, mais j'arrête pas de couler, donc c'est compliqué. Coincé dans les montagnes. Allez, c'est parti. Par contre, lui, je crois qu'il va être pris, le véhicule. De quoi? Là où il est, le véhicule, et vu comment c'est facile d'accès, il y a sûrement une couille ailleurs. Moyen, il y a tellement moyen, mec. Alors, oui, c'est soit chemin de droite, soit on va passer par là, on s'en fout. Je sais pas si t'avais vu l'état du camion quand tu l'avais récupéré. Bah, en gros, t'avais une fuite dans le réservoir. C'est bien, quoi. T'avais 4 pneus à plat. J'avoue, je me suis fait un petit chemin, mais est-ce que je peux pas couper comme un gros connard? Peut-être éviter. Ouais, quoi que, ouais. Non, parce que je crois qu'il y a quand même des... Il y a quand même des zones... Mais non. Comment c'est trop? Je crois qu'il y a quand même des zones très très abruptes. Ouais, mais tout à l'heure, si tu te mets en première, en fait, et que tu accélères, et que tu ne laisses pas le point neutre se placer, ton véhicule il est bridé en vitesse.
Oui, non, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que y a, là, sur la montagne sur laquelle je suis, il y a quand même des apics, quoi. Genre, tu passes un rocher, et puis derrière, c'est tout droit. Hein. Bah, t'es monté en haut, donc tu sais à quoi ça ressemble. Ouais, ouais. Je t'apprends rien. Mais en vrai, là, voilà, au-delà de ça, je pense qu'on va pouvoir les croquer un peu. Ah, il aime pas trop le... Je prends combien de dégâts si je passe en rouge, juste pour voir? Là, je prends de dégâts. Ah, mais du coup, j'en prends plus. Ah, donc le bloc différentiel prend toujours du dégât s'il est pas utilisé convenablement. Ouais, s'il est pas utilisé convenablement, ouais. Intéressant. Non. Non, c'est juste... Ça y est, j'ai enfin réussi à accéder à la rivière. Y a beaucoup à faire ou pas là? Tac, tac, tac. Non, en vrai, non, je chipote pour rien là. Je prends la route. Et c'est pas. Je vais en aller où cette remorque? On a rien. C'est vraiment le truc obligatoire pour tes canons quand tu veux aller en super. C'est ça. Différentiel ou pas, ça c'est pas grave. Ok, donc là pour monter, je pense que j'avais vu une arnaque sur la carte. Possiblement, je suis pas allé un peu plus par là. Esquiver le gros bloc rocheux. On est par ici. Bon, bah, vas-y, attaque. Hein. T'es déjà parti, mon gros, vas-y, attaque. On va se mettre tranquillement en preuve, au calme, on va monter au calme, c'est une histoire de calme, et là ça monte. Merci pour l'argent, monsieur. Il ne te reste plus que le gros tuyau à faire. Sans remorque? Sans remorque, hein, sans pantalon. Bah tu fais comme tu veux après, hein. j'en sais rien en vrai. Sans remorque, je suis pas sûr que je puisse le trimballer. Alors, contre, j'ai une bagnolinette là à ramener là. Je sais pas qui. C'est quoi la quête? Je sais pas si j'ai trouvé, tu sais, le véhicule abandonné en haut qui a plus d'essence.
Il y a le tuyau perdu, mais je sais pas, c'est... J'ai l'impression que c'est juste à ramener chez nous et boum, ça nous fait gagner un camion, quoi. C'est sans doute ça. Au pire, descends-le à côté de la route, hein. Bah, je peux nous le ramener vers la route. Il y a une station-service pas trop loin, c'est vrai que ça me permettrait de me refaire... Ah bon, on est pas très loin de la maison, là, non? Ah ouais, ah si, ouais, quand même, faut quand même que je passe. Et il y a coincé dans les montagnes. C'est quoi, ça, coincé dans les montagnes? On avait pas pris la quête? Ah si, tu dois le ramener à côté de la station-service, le véhicule. Dans coincé dans les montagnes, là? Ah bah oui, c'est ça, bah ouais. C'est coincé dans les montagnes. Pff, putain, je suis un abruti, hein. Ouais, beau, hein. Par contre... Hop, on se met en mode inexorable. Par contre, j'aurais peut-être pas dû descendre par là. Faute grave. Ça passe. Oh, ça passe. Ça passe. Oh, ça passe, hein. C'est passé. Alors, c'est passé tout seul, hein. Par contre, c'est tellement infâme, ça. En fait, treuiller des trucs avec le petit, quelque part, c'est génial. Parce que c'est génial. Mais quelque part, c'est infâme. Parce que c'est infâme, pour moi. Ouais. Ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de sortir le tuyau de là où il est, mais sans véhicule pour récupérer à côté, on pourra pas le balader. Je suis pas humble là où je suis, hein. Je suis pas humble du tout. Ah ouais, ouais. Parce qu'en fait là je suis dans... Si tu regardes sur la carte, je suis là où il y a en fait la route, c'est de l'eau. C'est que de l'eau. Et c'est pas large ni rien. Oui, mais le problème c'est que j'ai que 12 litres de carburant et je suis du 2-3 par minute, quoi. Mais ouais, non, en fait c'est assez court. Ça, c'est bon, ça a l'air de se faire. Il est assez praticable comme terrain. Ça passe pas en camtar, ou pas avec un truc trop large. C'est large comme la grue, je pense pas que ça. J'avoue, en 1, avec son bloc différentiel, il passe partout. Hein. Il en a rien à foutre. Hein. C'est un cheval de Skyrim. Et puis il a 1.3 de consommation aussi avec 1. Ouais, et il consomme que dalle. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il a un petit réservoir, mais il consomme peanuts. Hein. C'est pour lui, il a coincé dans la montagne. Ouais, c'est pour ce crétin. Mais trop pratique ce petit, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on en aura fait avec lui, des trucs? Un épisode d'1h30. Ouais, mais je veux dire, on aura fait plein de tâches différentes avec. Non, mais avancez, souvent, avancez. Avancez, c'est bon, ouais, c'est bon. Alors, frein à main. Tu as ta mobilette là? Activez les encres. Encre activée. C, grue. Pas accepté. Ouais. Merci. Oh, on avait même pas pris la quête. Que je le ramène, j'étais même pas au courant qu'il lui manquait un truc. Oh, j'ai vu une bagnole, je me suis dit vous avez une tête de clodo, je voulais ramener. Ok, si cette grue là, elle est super forte. Où est-ce que je suis censé emmener ce tuyau là? Alors le tuyau, attends, je vais activer la quête, le tuyau perdu. Bah il faut que tu le ramènes, je suppose, devant la maison du mec. Alors salut, moi c'est Robert, un gros pipeline sophistiqué est en cours de construction dans la région et un des sous-traitants en logistique a perdu une section de la conduite. Nous avons besoin d'un chauffeur qui peut aider à le récupérer. C'est tout. Bah je suppose que tu vas lui livrer devant sa maison. Et c'est où? Oh putain, c'est super loin. Non, c'est pas super loin, t'abuses. Par contre, ce qui m'étonne, c'est de devoir le livrer là-bas. Ah non, non, livrer au site de forage, excuse-moi, c'est à côté de toi. C'est site de forage. Juste à côté de Watt, mec. Ah ouais, mais... Déjà, là, j'ai pas de... Oh, comment c'est dans les montagnes, 1600 balles pour ça? Ouais, mec. Ça fait de la bonne caillasse, vrai... mec. En vrai, si je retire mes ancres... Et que j'essaye de me déplacer sans remorque, je tombe. Est-ce que tu veux que je vienne te tracter?
Je tomberai quand même. Il faut que tu viennes avec une grosse remorque. Ah. Alors. Bah c'est pas compliqué, on va faire un petit... Tu veux que j'en achète une ? Déjà je vais récupérer mon véhicule. Pour récupérer mon véhicule aussi, c'est comme ça. Tac tac tac. Récupérer. Je suis dans mon concessionnariat. Qu'est-ce qu'il peut ramasser ? Le Royal BM 17, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu crois que ça peut avoir ce qu'il faut là ? Tu pourras... Je suis pas sûr que t'aies 3 de place. Faut que t'essayes le plateau. Le plateau ? Ouais. T'as une amélioration dans l'customisation qui s'appelle le plateau ou quelque chose comme ça. Module de châssis, ok. Je peux avoir une grue lourde hein, quand même dessus. Hein. Ouais, avant de grumier, grue de chargeuse, remorque plateau. C'est ça. Et je sais pas module si de châssis van, maintenance. Module détecteur de métal. Juste-toi, c'est pour les prochaines missions. Remorque à rambarde, je peux avoir aussi. Grue de chargement, LC3.8, attelage haut, attelage bas. Voilà. Après, je peux aller voir ce qu'il y a en remorque, hein, dans les remorques à acheter. Vas-y, attends, je vais poser... Ça, je te rappelle que c'est que les modules de châssis. Ouais, je sais, mais attends, je vais juste poser le tuyau devant moi. Poser le tuyau devant le camion, c'est pour pas qu'il me tombe dessus et qu'il détruise le camion. Okay. Magasin de remorque. Ah, je peux avoir un semi-remorque à plateau avec 5 emplacements dessus, ça te va ou pas? Ouais, ça par contre ça irait, mais faut l'amener après. Ou une semi-remorque à rambarde à 5 emplacements également. Oh, je vais pas prendre ça, c'est hors de question, jamais. Combien? Non, c'est pas question de prix, c'est question de tête. Hors de question. Oh non, putain, les deux c'est une horreur. Mais par contre, il y en a une qui coûte 6600. Mm-hmm. Et l'autre, elle coûte pour le même emplacement. Ah non, 6800, d'accord. Okay. Sinon, j'en ai une à 4 emplacements si tu veux. 4 4 emplacements, ça me parle bien, moi. Ouais. Enfin, en tout cas, elle est pas dégueulasse, donc ça me va. Par contre, une semi-remorque super lourde. Non, ça c'est l'apocalypse. Ça, tu le déplaceras jamais. 8 d'emplacements. Ouais, mais il faut une ligne droite. Ouais, c'est... Ok, je vais juste dégager ce captar là et je vais prendre celui que je préfère là. Hop. Je vais prendre le Bandidos. Je vais juste le customiser et je vais virer les différents modules qu'il y a dessus. Vire-moi la grue. Et vire-moi la remorque à rambarde. Voilà. Voilà, voilà. Dégage. Je vais voir ce que je peux embarquer. Il te faut obligatoirement un 4, c'est ça? Ouais, je pense, parce que 2 ça suffit pas. Je veux dire que ça doit prendre 3 places. Donc 4 ou 5? Toute 4, la question 4, est là. 4, 4, 4, 4, 4 c'est valide. Alors par contre, je suis venu en mode léger. Hein. Je tiens vraiment juste la remorque. J'ai pas de poids sur moi. Ouais, c'est une bonne idée. T'es avec lequel? Le bandit. Ouais, ça va le faire. Attends, je passe par où là? Il faut que tu remontes sur la route et que tu passes derrière le barrage. Alors, soit tu passes sous la pipeline comme t'as fait là. Faut que tu fasses. Tu peux passer que par là. Ouais, sinon j'étais obligé d'aller faire une petite session les pieds dans l'eau. Par là où je suis venu avec mon camion aussi, parce qu'on peut passer par Conquête Montagne de l'Ouest aussi. Ouais, mais le passage pour une remorque n'est pas ouf. Okay. C'est pas très large. Ok, ça marche. J'aime mettre des emplacements. Pour aller au forage. Je vais mettre des petits marquages. Tu seras dans le bon sens pour aller au site de forage. Très important. Okay, okay. Et donc mon terminus, c'est là où tu te trouves, Anthony. Ok. Alors tu veux que je prenne d'autres véhicules et que j'ai un hélicoptère pour t'aider? Hein? Mais non, je suis pas bon. Ah, tu veux faire de l'argent? Pourquoi faire? Je sais pas. Non. Merde, c'est quoi les... Ah voilà, spotlight, merci. Non, c'est bon, bah j'y vais sur le coup, ça suffit, non? Enfin, je sais pas de quoi t'as besoin, mais normalement c'est bon. Après, faudrait livrer au port 2 barils d'essence, mais ça se fait facilement.
Ah, j'aurais peut-être dû garder. Garder quoi? J'aurais peut-être dû garder. Je vais récupérer. Faut que tu lâches la remorque. Ah, il faut que je lâche la remorque. Non, ça m'intéresse pas. Garder mon paquet pour pouvoir transporter plus, c'est parce que je suis trop léger là en fait, je m'enfonce dans la boue. Du coup, je me galère un peu là. Après, tu peux lâcher la remorque là où elle est et la récupérer juste après. Normalement, là, c'est censé être passé crème ici. Ah oui, mais non, mais en fait, ça dépend pas de moi, en fait, ça dépend de la remorque. 100%. Ouais, c'est pour ça que je disais, est-ce que tu veux que je vienne avec un autre camion? Ouais, avec un petit pour me tirer à la limite, je pense, mais. Je sais pas un si un gros c'est bien nécessaire. Hein. Vas-y, bah, je vais venir avec le coup de camion. Je vais venir avec le Marshall. Je pense. Ou prends. Ouais, prends un camion sinon. Mais lui, il a une benne sur le dos. Je te file la remorque, je me TP. Enfin, du coup, tu prends la remorque et tu commences à l'emmener toi jusqu'à là-bas et je te suis. Ça, je peux me re-TP. Je vais me re-TP, changer de truc. Ça te va ou pas? Enfin, dans tous les cas, je vais détacher la remorque et je vais rentrer. Parce que, en vrai, je me galère trop comme ça. Ah ouais, mais attends, mais là, t'as pris un plateau semi-remorque c'est une remorque qui est attachée à l'arrière? Non, c'est une remorque, c'est tiré, c'est pas un plateau. C'est une remorque à part. Le châssis de maintenance, il est quand même assez sexy, hein. Ouais, et t'as 1400 litres de carburant, 600 de répas et des pneus de rechange. Ouais, assez sexy, hein. Je prends la rambarde, je vais le rééquiper comme il était de base, je vais lui remettre une grue. C'est pratique. Ouais, je vais le remettre en base. Ok. Et j'équipe le garage. Du coup, je laisse la reprendre direct, mais je me mets juste un peu plus loin au cas où. Ouais, je vais essayer de la reprendre, je vais la troyer, je sais pas. Je sais pas si je la reprends ou si je la troye pour l'instant. Sinon, toi, essaye de la prendre, voir si t'as un meilleur comportement avec. Déjà, je vais juste sortir de la boue pour commencer, ce sera pas mal. Je pense que l'inconvénient, c'est que c'est pas une remorque tout-terrain. Bon, les autres, elles font chier, elles ont des ancres monstrueuses. Ah, ça se tire tranquille, t'es au bandit aussi. Ouais, je suis au bandit aussi, je suis en automatique, donc juste le temps de sortir de la boue et essayer d'avancer. Ouais, non, on avance à la même vitesse en vrai. Je le laisse là? Tu la reprends? Bah, oui, bah après ça dépend, tu fais quoi avec ton camion? Ouais, je vais me mettre derrière toi. Ok, bah écoute, ça marche, parce que sinon j'allais dire que t'es bien parti, garde-le. Mais... Bah, okay. Bon, déjà, c'est pas la peine. Ah, c'est bon là, je crois que je suis dedans. Là. La remorque. Attelé remorque. Attelé. Remorque trop loin. Ta mère. Ta mère est un hamster. Remorque trop loin. Trop loin. Mais pute. Allez, hein. Une petite marche arrière. Une petite. J'ai dit une petite là. Pas une grosse là. Oh, vraiment. Merci. C'est bon, on peut y aller. J'aurais pas plutôt d'ailleurs te mettre devant moi pour pouvoir me tirer en fait. Ce que je veux, c'est surtout décoincer ta remorque quand tu vas te coincer. Parce que passer devant, ce sera le plus facile à faire, tu vois. Que si je veux passer à côté de toi en marche arrière, je sais pas, le terrain il est pas très friendly. Ça a été. Ouais, c'est, en tout cas après c'est très encombré d'armes. Il faut que tu prennes tes virages vachement plus larges. Non, je suis large, il n'y avait rien qui gênait. Ah mais pour prendre des armes. Ah c'est ça, la remorque elle aime pas la boue quoi. Elle avance juste pas dans la boue quoi, elle s'enlise. Les roues avant de la remorque, elles sont en ligne en fait. Elle te lisse sur la boue.
que je passe devant tout de suite. Non, c'est bon, en fait, je voulais juste voir si je gagnais un peu de vitesse, mais visiblement, il y a trop de poids pour gagner de la vitesse. À gauche, taille à gauche. Ouais. Faut que je prenne large, je te rappelle. Ouais, ouais, non, mais je... J'ai mis des marqueurs. Ok, ok. J'ai mis des marqueurs, donc moi, je vois pas me tromper. Ah, par contre, j'ai pas de phare, ça c'est problématique. Voilà, ah, plus problème. Parce que bien sûr, quand on fait des missions comme ça, c'est plus facile. Voilà. C'est vrai. Ah bah c'est très agréable. T'es fort, c'est sympa. Hein. Bon, je vois quelque chose. Hein. Je me suis payé un arbre parce que je regardais pas, j'ai pris 2 points de dégâts. Ça va prendre rare. J'ai poussé un peu la remorque, je sais pas si ça t'a aidé. Non, pas vraiment, c'est l'arbre qui m'a aidé surtout. Là le problème, là ce que je veux surtout, c'est que la remorque se paye pas une petite caillasse. Parce qu'en fait, vraiment, les pires ennemis dans ce jeu, c'est les caillasses de ces morts. Elle s'est payée une caillasse. Et donc je peux plus bouger. Attends, c'est bon, ouais. Oh super, super. Là la poussette elle a bien aidé. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Est-ce qu'on peut avoir. Ah, pas en première. Non, 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 c'est bon, là, ça passe. Là, on avance, on avance. Oh, ça bouge bien. La remorque, elle a avancé d'un seul coup, moi, je me suis arrêté d'un coup. Allez. Il y a un trou d'eau à cet endroit-là. Ouais, ça va. Non. Je passe au côté. Tu peux tirer la remorque s'il te plaît? Parce qu'en fait j'ai pas vu le trou d'eau. Merci mec. Bien aimable. Ok. Ah ouais non en fait c'est surtout parce que je me suis payé une grosse caillasse. Ok. Ok ok j'avais une case dans mes essieux. Mais non là, il y a une merde là. Qu'est-ce qu'on empêche d'accéder? Y'a rien devant. Laisse-moi passer le jeu. Non mais t'es dans un trou, t'as ton pare-choc avant qui touche. Normalement je suis en idos là. Normalement ça passe. Merci. Ouais, je suis ennuyé. Hein. Et dire que sans cette remorque, hein, tout ça, ça passe crème. Bah ouais, ouais, mais là on... Et on est à vide, c'est ça le plus. Ouais mais après on aura moins à faire. Bon je vais te libérer un peu, hop. Ça te suffit là? On sort pardon? Ok, vas-y tiens moi parce que je suis en boîte auto, t'es en boîte auto toi aussi non? Ouais ouais ouais. Ouais vas-y, comme ça peut me permettre de passer à quelques vitesses. Attends parce que là faut que je passe en vitesse où c'est de la neige. Et que sinon je vais cramer du carburant. Prends l'argent et la neige. Hein. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai lâché le trail d'ailleurs. Ouais. Pas que tu m'entraînes trop avec toi. Oh, j'ai coupé les arbres. Non, pas les arbres. J'en ai besoin, je me travaille dessus. Oui, mais je me travaille dessus. Non, les petits arbres de merde là. Oui, mais je me travaille dessus quand même. Mais travaille sur moi plutôt. Mais non, c'est bon. Non, parce que t'es pas forcément bien placé. Ah oui. Parce que j'ai besoin de me tirer en avant. Bah, alors, par contre, j'ai besoin que tu bouges ton cul à un moment donné. Et moi j'ai besoin que le jeu me laisse partir. Ah d'accord, c'est toi qui bouge plus maintenant là. T'es fâché là. Ouais, le jeu refuse que j'avance. J'ai une treuille parce qu'apparemment je me suis enfoncé. Dans rien du tout que d'eau, de la neige, que de la neige. Oh, je me retourne. Je me suis retourné. Bah attends, je me récupère, pas de bloqué. Ah non, attends, je vais essayer de te relever. Non, tu peux pas. C'est pas un client bon. Ouais. Donc tu t'es retourné. Ah oui, tu t'es retourné parce qu'en fait, t'as pris la côte. Comme à voir. Ouais, de travers, ok. J'ai mon. Attends, je vais récupérer celui-là, du coup, je suis reparti pour rien. En fait, je vais récupérer. Je vais aller reprendre le royal. Hop, je suis dans le royal.
t'as besoin d'aide, je suis juste à côté. J'entends les petits joysticks de la manette. Ah ouais. On a juste trajectoire. Hein. Là on se bataille. Hein. Ça a l'air de rien mais... Regardage de la conduite, c'est beaucoup de ressenti. Et c'est beaucoup de ce qui était arrivé sur le ponton. La fois où je me suis crash là. De... Tu laisses tanguer un peu, stabiliser. Reprendre sa masse, parce que ça a une masse qui est assez basse. Ah. J'avais peur d'avoir des petites complications. Pourquoi j'ai des petites complications là? Donc de la remorque. Ah non, c'est bon, mais c'est parce que j'étais au bout de mon trail. Tout simplement. Ah. Par contre, j'ai l'impression que je peux que glisser et nique-toi en fait, c'est ça? Et nique-toi, Nixon. Allez, j'arrive, je redémarre. Allez, activer encre, réinitialiser grue. Allez, on démarre. J'arrive. Putain, je ne peux que glisser au fond du truc, je peux absolument pas du tout monter quoi. J'arrive. Ah c'est bon, j'ai un arbre solide. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah vraiment, ce coin enneigé là, l'enfer. Hein. Pas très rapide hein, mais on arrive hein. Ouais ouais, je me replace juste correctement pour bien choper le truc. Fin. Ça devrait le faire. Oh, c'est l'enterrement là. Allez. Allez, on nage. C'est parti, on fait une petite brasse. Ça mon gars, hein, quand tu le fais IRL, hein, parce que ça m'est déjà arrivé. Hein, tu te pètes les bras, hein, à la fin de la journée, t'as une tendinite. Fin de la journée, c'est le mec qui nous fait la terre. De ouf. De ouf. Parce que même aujourd'hui avec les directions assistées, t'en as certains, genre une Mercedes. Tellement des directions, mais dures comme du béton. Te pète les bras. J'imagine. En fait, c'est l'épisode de j'arrive avec une remorque en fait. C'est pas ça, non? Parce que là, je viens de voir, il restait encore 160 mètres, je fais. Ah. Ça va être long. Ouais, mais. Non, ça va. C'est 160 mètres sans arbre en ligne oui, droite. C'est ça le problème, sans arbre avec que de la boue et je m'enfonce à mort dedans avec une remorque qui n'aime pas la boue. Bon, pour l'instant on chasse neige. Si je passe en automatique. Oh ! Oh mon dieu, il roule ! Il est en vie ! Incroyable ! Il est vivant ! Juste si tu peux t'avancer et mettre la remorque à côté de moi, ce serait parfait. Oh, cette vitesse de pointe, j'ai jamais eu. Alors attends, c'est quoi le beans? Le beans, c'est qu'il faut que je me mette dans la rivière avec la remorque là? C'est tout avant, c'est des cailloux. Là tu passes ça et après. Mais non, mais je le sais, je l'ai fait en véhicule, mais je suis en train de me dire, il va falloir faire demi-tour à un moment donné. Non, faut que tu ailles tout droit. Là, faut aller à gauche. La route pour y accéder, et tu peux tourner à gauche après. En fait, t'es arrivé dans le bon sens. Tu serais vu dans l'autre sens, tu ferais demi-tour.
jeu d'état pour l'instant. En gros, la connerie. Oh là là. Ça va, t'es bien monsieur là, avec ton gros jouet là. Ouais, j'espère juste que je vais pas tomber. Attends, je vais essayer de placer ça le plus à côté de toi possible. Genre, comme ça, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Tu veux que... Tu me dis si jamais tu veux que j'y gote un peu. Non, non, non. Je vais t'énerver. Merde, non. T'as vu, c'est quand même moins intuitif, hein, les grues. Bah, en fait, la caméra est moins cool, en fait. La caméra... Et la caméra, c'est la merde. Les caméras, de manière générale, là, sur SnowRunner, je trouve que c'est vraiment la merde. Dans là ou pas? Alors en tout cas ouais t'es dessus, après t'es peut-être un peu trop sur le fond. Non t'es très bien, vas-y descends là. Descends là. À fond. Ouais, ouais bah parfait. Regarde-moi ça. Tac. Empilé, cargaison. Parfait. Adjugé, pendu. Allez à plus tard mon poulet. Donc vraiment pour des cargaisons aussi grosses, il faut forcément une grue comme ça. Parce que j'ai essayé avec l'eau, j'ai essayé de dépasser. Ah bah t'as niqué ton moteur instant. Ah, par contre. Je vais juste prendre des dégâts derrière. Ah, t'es bloqué? Ah, c'est juste fini. Hein. C'est juste terminé. Et il n'y a pas de discussion possible. Hein. Ah! Intéressant. Est-ce que ce serait une poussée du destin? Une poussée d'Archimède? Quand je me passe en première, ça ne change rien. Ah si, pour moi ça change quelque chose. Hein. Non mais j'essaie de voir si... Parce qu'en fait j'empêche la remorque de reculer je crois. Faut que t'ailles à gauche. Si tu chopes le poteau électrique en câble, c'est un truc qui est détruit. Et c'est la fin pour moi, je peux pas avancer par là. Attends, est-ce que tu peux me tirer un petit peu? Attends, t'es en train de... Mais fais pas ça, mec! C'est pas ce que je voulais faire. Oui, mais enfin, préviens-moi parce que je m'enfonce dans la boue en faisant ça, du coup. Du coup, maintenant, j'ai un gros trouillou dans la bouillasse, espèce de con. Putain. Et merde. Oui. Merci. On va faire ça. Ok, essaye de troll maintenant si tu veux. Arrête, tu me fais reculer. Arrête, tu me fais reculer. Ah moi qui... J'avais arrêté de troller, je suis juste en marche avant là. Oh bah t'es bloqué. Mais toi tu peux toujours te récupérer donc je vois pas pourquoi tu m'emmerdes en fait avec ça. En fait pourquoi tu m'emmerdes avec ta connerie? La fin d'épisode. Il y a moyen, hein. Ça y ressemble, non? C'est vrai? Un épisode avec deux horaires minimales? En 58 minutes, monsieur, un petit épisode d'une petite heure. Quelque part, j'avais dit que c'était un petit épisode. Des bisous, YouTube. À la prochaine.